Game begin! Bonjour à tous, le principe est simple, c'est défier tous les joueurs du GF38 sur PES. Aujourd'hui je vais rencontrer Vivian Mateus, le défenseur brésilien de cette formation. Allez, suivez-moi. On est chez Vivian Mateus, joueur du GF38. Merci de nous accueillir, Vivian. Oh, de rien. Et puis prêt à me défier sur Play? Je suis prêt, hein. Ok, ça marche. Alors, tu prends quelle équipe? Je prends le Brésil. Brésil, bon, bah, je vais prendre la France. Brasil. Ah! Ouh là là! Ah, là, je joue trop. La pression! Ça commence la pression! Alors, ça fait pas très longtemps que t'es à Grenoble. T'en penses quoi de la ville? Même, on aime bien les châteaux de visite qu'on a été, je pense, deux fois. Let's play! Et si Vivian Mateus devait jouer un film, ça serait lequel? C'est La vie est belle. Ah, de Roberto Benigni. Oh oui. Loser! Oh non! Oh, oh là là! Oh non! J'écoute Raphaël. Pour toutes les téléspectatrices, Vivian Mateus sous la douche, ça donne quoi en chantant? Dans 150 ans, on s'y souviendra pas. Ouais, c'est tout. Après, je vais faire des gaffes. Oh là là! Pardon, j'arrête parce que j'ai fait un super but. Dans 150 ans, on s'en souviendra pas. De ta première ride, des noms mauvais choix. De la vie qui nous baisse, de tous ces marchands d'art. Oh non, mais qu'est-ce qui nous... Tranquille, reste tranquille à la face. Est-ce que t'es croyant? Oui. Peut-être parce que le Brésil, c'est un pays où il y a beaucoup de problèmes. Les Brésiliens sont obligés peut-être d'être très très croyants parce que ça aide à oublier ou à donner des espoirs pour affronter beaucoup des problèmes qu'on a au Brésil. Try again. Et accessoirement, ton meilleur souvenir de foot? J'ai été champion mondial de moins de 17 avec la sélection brésilienne. Ça c'est un grand moment pour moi. Oh non! Game over. Bien joué.